Très fort. C'est comme à l'époque, mes amis. À l'époque, pour devenir riche, c'était très difficile. Pourquoi? Pour à l'époque, pour devenir riche, il fallait par exemple labourer plein de terres ou alors acheter plein de ce qu'il fallait à l'époque. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, la richesse, aujourd'hui, tu peux être assis derrière un bureau et faire plein de millions de dollars. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé, comme à l'époque, pour être riche, il fallait voyager de pays en pays, de faire des trucs et des business. Aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent assis sous ton bureau, des millions et des millions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle la modernisation. Le monde a changé. Internet, etc., etc. À l'époque, pour devenir des tzadikim, il fallait souffrir. Il fallait jeûner. Il fallait se sacrifier. Il fallait se mortifier. Mais aujourd'hui, pour devenir des tzadikim, tu peux t'asseoir derrière un bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Parce que Rabbeinu, il a créé un concept. Ce concept, si tu le fais, tu deviens un archi-milliardaire. Mais il faut le croire pour ça. Il faut tenter ta chance pour ça. Il faut le mettre en application pour voir que ces paroles, ils sont émettes. Et celui qui le croit, il va voir combien il gagne. Mais pour ça, il faut mettre en application. Mais Ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu nous donne la puissance, la émouna, de pouvoir servir Hashem Amen. En pensant à notre but. Pour avoir de la simcha, la vraie simcha, pas la simcha du corps, la simcha du Olam Haba, qu'on puisse le servir comme il faut, Bezrat Hashem.